toi, mon frère. Collectif Horizon te dit, protège-toi, ma sœur. Oh, yeah. Protège-toi, mon frère. Collectif Horizon te dit, protège-toi, ma sœur. Un avenir prometteur avec du l'espoir au cœur. Je reçois des visions d'un avenir sans toi. Assez, assez de morts, assez de temps, assez de terres creusées. Des familles endeuillées pour un moment de plaisir mal protégé. J'adresse ce SMS à tous ces dealers de sexe. La capote vaut mieux qu'une petite place au sous-sol. Choisis la vie et protège ta boussole. Le sida assassine, souvent mon cœur décline. Quand je vois la télé, tous ces gens témoigner. Le passé vit en nous quand il agit au présent. Soyons sages maintenant pour nos futurs enfants. Essentiellement sur l'organe reproducteur mâle. Alors, qui peut me donner le nom de l'organe reproducteur mâle? On va appeler ça comment? On va appeler ça le bon nom. Oui, Yann. La queue, c'est ça. Silence, silence, silence. J'ai hâte de parler après le coup. Et d'ailleurs, vous collez l'interrogation. Tu feras mieux d'apprendre ta leçon au lieu de jouer les pitres. Et je viens de consulter tes cahiers de notes. Tu vois qu'il y a de mauvaises notes. D'ailleurs, j'irai dire ça à ton père. Mais on continue.
Tu feras mieux de te concentrer sur tes études au lieu de jouer les pitres. Tu n'as que de mauvaises notes. Et si tu continues comme ça, tu risques de reprendre l'année scolaire. D'ailleurs, je vais convoquer ton père. Ok, je vous en prie. Allez. Merci. Amen. Maintenant vous allez vous élever, on va prier pour confier notre vie à Dieu. Amen. Parce que parmi nous aussi, il y a d'autres qui habitent à Bibo, il y a d'autres qui habitent à Tamé, on ne sait pas. Donc on va se lever comme ça pour dire merci à Dieu. Pour qu'il puisse déposer chacun d'entre nous ici à sa concession. Amen. Mais vous pouvez prier. Pasteur. Bibi, vous voulez pisser? Voilà, allez-y. Voilà. Allez-y. Vous voyez, c'est ce que vous disiez. L'Esprit Saint est présent parmi nous. L'Esprit Saint est présent. Voilà, l'Esprit Saint est présent. Prie pour nous, pasteur. Allez-y, soyez bénis. Le Saint-Esprit. Allez, prions, prions. Ton affaire d'église a commencé à devenir autre chose. Hein. Moi, je commence à m'énerver. Ça fait que je le dise. Okay. Non, papa, tu n'as pas besoin de t'énerver pour ça. La Bible dit de faire de l'éternel tes délices. Il te donnera le désir de ton cœur. Ça, c'est ton affaire. Ça, j'ai dit, c'est ton affaire. J'ai dit, ton affaire d'église commence à taper sur les nerfs. Pardon. On est d'accord? Oui, mais okay. C'est Dieu qui nous j'ai a dit. J'ai dit, c'est bon! Sinon, le Seigneur, il est le meilleur. Ça, toi, je parle, non? Soyez bénis. Amen. Salut. Salut. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Jamais vu saper comme ça pour aller voir Alfred au bureau. Hein. Maman, je te vois venir. À Dondé. Je vais juste à son bureau pour récupérer mon chèque, c'est tout.
Oriane. C'est quelle attitude ça? Excuse-moi, pourquoi? En fait, je suis en retard, donc j'aimerais savoir si tu pourrais pas me déposer tout de suite. Le cours va commencer dans 30 minutes. Le cours va commencer dans 30 minutes. Ok. Tu seras plus en retard si tu ne manges pas correctement. Bon, d'accord, j'ai compris. Je finis ça rapidement. Bonjour, papa. Bonjour, ma fille. J'ai besoin d'un peu de sous pour effectuer quelques courses pour notre église. Pourquoi papa n'a pas droit à son bijou quotidien? Ah oui, pardon, papa. Excuse-moi. Tu disais quoi? Que j'avais besoin de peut-être de sous. Ah oui, oui, pour la fête de votre église. Voilà. Ok. Et votre pasteur est là? Il va très bien. Ça va à l'église là-bas? Très bien. Mais Dieu a besoin de toi, papa. Oh, Dieu, adieu que je suis en route. D'accord. Je suis en route. Ça va déjà? Très bien. Eh, hey, papa, toi, tu es vraiment le père qu'il me fallait. Que Dieu te bénisse. Je n'arrive vraiment pas à te comprendre, ma fille. Ça fait des années que tu es avec un homme. Un homme qui t'a perdu le temps. Vous avez deux enfants, ma fille. Pourquoi ne pas aller demander pardon à Alfred? Moi, j'ai qu'à aller demander pardon à Alfred. Pourquoi? Tu me vois en train de me lever, aller demander pardon à Alfred. Toi-même, tu as envie d'aller demander pardon à Alfred. Il faut aller le faire. Pourquoi? Et puis, j'allais le marier. Non, le marier. N'oublie pas que c'est toi qui as abandonné Alfred. Alfred ne t'a jamais abandonné. C'est lui qui m'a abandonné. Dans ce cas-là, arrête d'aller me suturer de l'argent. Maman, ne dis pas ça. Non, 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 non. Ça, là, ne dis même pas ça. Aïe. Oui, c'est mon plein droit. Aïe. Mon plein droit d'aller demander l'argent à Alfred. Il faut que chaque mois, il me donne un chèque. Pourquoi? Si aujourd'hui, Alfred est ce qu'il est, c'est aussi grâce à moi. J'ai ma part dedans. Monsieur, oui? Le petit déjeuner est prêt. Vous le prenez ici ou à la cuisine? Bon, juste un petit café. Attends, voici le journal. Oh. Lazare, qu'est-ce que tu as? Tu as perdu le bon sens ou bien quoi? Une gueule, ce bon sens là. Il aime beaucoup, il aime, c'est mon chanteur préféré. Il y a jardinier là qui demande s'il peut couper fleur. Dieu vient bien de faire ce qu'il veut. Non, il va couper. Bon, moi j'ai fini, on peut y aller maintenant. Léane, laisse-moi finir un petit café. Ok, d'accord. Adjoa? Adjoa? Oui, monsieur. Le sucre. Monsieur, le sucre est fini. C'est à cause de ça qu'il a envoyé l'eau simple là. Donc il me doit aussi. Moi je sais que c'est à cause de toi qu'il est comme ça. Moi je ne veux plus bouffer. Moi je parle à cause de tes deux enfants. Hein? Je dis, si tu as envie d'aller marier Alfred, va le marier, c'est tout. Je ne sais pas pourquoi. Attends, maman, laisse-moi tranquille. Cette affaire-là, je t'ai dit de ne plus parler de ça. Après tu vas dire oui, ma fille m'a offensé. Elle m'a dit ceci. Arrête de me parler de ça. Un point, un trait. Moi mais je ne sais pas pourquoi je suis en train de perdre mon temps en train de te parler même. C'est quoi? Ah, ah, fille. Je parle d'Alfred à cause de vos deux enfants. Maman, il faut aller faire le troisième enfant avec lui. Comme ça, vous allez régler vos problèmes là-bas. C'est quoi? Oh. Tu n'as pas honte, ma fille. Il faut que tu revoies ton travail, hein. Je ne suis pas tout. C'est pas tout ça. Non, mais c'est pas facile, en fait. Non. Je suis pas d'accord avec toi. Mais bon, en fait, j'oubliais, papa. J'ai besoin d'un peu d'argent de poche. Oh, Yann, tu exagères, Yann, tu exagères. Non, mais t'as oublié de me donner. Avant, j'ai donné 30 000 francs. Qu'est-ce que tu en as fait? Il y a des livres à l'école. Oh, non. Ça ne va pas continuer comme ça, hein. Ça ne va pas continuer comme ça. Non. Tu exagères, Yann. Tu promènes trop. 20 000 francs, ça suffit. Merci, papa. Ça, c'est jusqu'à la fin du mois, hein. À la fin du mois. D'accord. Bonne journée. Okay. Oh non, je sais. Je te déstabilise maintenant. Je te déstabilise.
tes ordres maintenant. Allez, pas le partage de femmes maintenant. Allez, pas lâche maintenant. Pas lâche maintenant. Pas lâche maintenant. Pas lâche maintenant. Au nom de Jésus. Allez, lâche plus le partage de femmes. Au nom de Jésus-Christ, je te déstabilise. Je te déstabilise. Allez, plus le partage de femmes. Allez, plus le partage de femmes. Il y a quelqu'un, vous pouvez patienter. Dès que la personne sortira, je vais vous annoncer. Dis-lui que c'est Prisca. Madame, je vous ai dit de patienter. Mais pourquoi c'est toujours la même chanson? À chaque fois qu'elle vient ici, patienter, patienter. Mais je sais qu'il va me recevoir, celui qui est celui-là. Excusez-moi, madame. Oh. Patientez, s'il vous plaît. Ok, j'ai compris. Madame, vous me regardez depuis là, il y a quelqu'un au milieu de lui qui vous a dit que je vous regarde. Regardez, regardez, c'est ça là, on va regarder. Bon, ma chérie, oh. Le gars qui nous invite cet après-midi, il doit en avoir plein les poches. Un pot d'argent, je sais pas. Et il y a un truc que je n'ai pas, que je remarque. C'est quoi? Il n'a pas arrêté de me regarder. Non, toi aussi. Comment tu as su que tu regardais? C'est toi, tout le monde drague. J'ai toujours dit, ma petite Jennifer, tu as le gros yeux, mais tu vois petit. On essaie de t'emmener à gérer tes émotions. Non, tu refuses. Bien sûr. Vous êtes mes copines. Si je ne vous dis pas, à qui je vais dire? Martin va te draguer d'abord avant de nous en parler. Tu n'as même pas encore dragué. Je ne sais pas. Mais vous n'êtes pas jalouse par hasard. Oui, voyons, on est jalouse de toi. Tu n'as même pas dragué. Je t'ai dit. Après, c'est venu pleurer dans nos bras. Là. Allons-y. Tu nous attends. Pour la gloire, Seigneur. C'est pourquoi je te bénis, je t'élève du haut des cieux. Parce que toi, Dieu, tu es bon. Parce que tu es bon. Toi, là, je t'ai à l'œil. Je vais quitter dans tes yeux. C'est qu'elle a fait ça. Mais qu'elle a fait, tu as vu quoi? Oh, je suis sûre que la dernière fois quand je me lavais là, c'est toi qui me regardais. Moi, ça. Le jour, je vais t'attraper là. Je vais dire ça à monsieur. Non, pardon. Regardez-moi ça. Toi, tu vas attraper qui? Personne. Annie. Ah, d'accord. Ok. Bon, je ne serai pas là à midi. Hein. Tu diras à papa que je passerai toute l'après-midi à l'église. Hein? Toute l'après-midi? Oui, oui. Annie, tu es à l'église de... Pardon. Moi aussi, il faut m'emmener là-bas. Il n'y a pas de problème. Mais toi, là, j'ai remarqué que tu es têtu. Je ne t'ai pas dit de ne pas m'appeler Annie. Tu peux pas m'appeler Tanti. Mais Annie, je suis ta grande soeur. Je suis ta grande soeur. Et moi, je suis ta patronne. Je dis bien ta patronne. Hé! Annie! Ça va, si ce n'est pas l'argent que je suis en train de chercher là, tu es une petite fille comme ça. Tu t'arrêtes devant moi. Je suis ta patronne. Je suis ta patronne. Ça veut dire quoi, ça? Annie, vrai, là, ça, là. Je vais dire ça, monsieur. Hein. Je ne peux pas laisser ça. C'est pas toi qui me paye ici. Ah, c'est qu'elle a fait ça. Bon. Dès que tu es prêt, tu me fais signe. OK. Et passe une bonne journée. Merci à vous aussi. OK. Passe bien, madame. Au revoir. Bonjour madame. Bonjour Alfred. Bon, je vous reçois tout à l'heure. Alors Miss, c'est comment? Vous allez bien? Oui, ça dites, va. Vous êtes au courant pour soir seul? Oui, allez à l'hippodrome à 16h. Mike vous a dit. Donc je vais voir tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a, Miss? Tu me parles pas. C'est quoi le prénom d'abord? C'était là, ok. Moi c'est Yann, Jennifer. Pepper, YK2M, t'oublies pas. Je vais te voir et tout. Bon, je vais y aller les filles. À ce soir. Un enfant. Ah c'est là. Monsieur.
Monsieur. Bien, monsieur. Mademoiselle Antoinette, le patron vous attend. C'est madame, s'il vous plaît. Excusez-moi. Et quelle heure? Ah, le vieux n'est pas là. Mais les filets sont piédés. Bon, mais Mike, il est passé où? C'est pas vrai. Ah ouais, je sais. Je vais rentrer à la maison. Ouais, le vieux n'est pas là. Ah, c'est bon. Je gère ça vite fait parce que... Et go, que je viens de voir, c'est pas de la rigolade. Non, je dois aller, là. Cela, pas pour les enfants. Antoinette, je suppose que tu es là pour ton chèque. Oui, mais donne-moi ça d'abord. Antoinette, assois-toi. De toute façon, ton chèque est déjà prêt. C'est quelle façon de me recevoir ça? Pourquoi c'est à cause de ce qui est là-bas? Antoinette, je ne te comprends pas. Pourquoi tu interprètes toujours mal ce que je t'ai dit? Non, mais je n'interprète rien. Je dis ce que j'ai vu. Où est l'interprétation dans ça? Bon, on va pas le problème. Tu sais, aujourd'hui j'ai beaucoup à faire. Je vais m'excuser. J'ai beaucoup à faire. Dis plutôt que je dois recevoir la confiance qui assiste là-bas. Mais ne t'en fais même pas, je vais partir. Où est le bon travail même que tu fais ici là? Tu dois avoir une discussion toi et moi. Mais tu sais bien que je n'ai jamais été fermé à la discussion. Je t'ai dit, préviens-moi. On discute. Alfred, au revoir. Au revoir, Alfred. Mon amour, il serait bien qu'on aille faire un tour à ta bouche chez mes parents. Depuis le temps que nous sommes ensemble, tu ne les as pas encore rencontrés. Hein? Ok. Et puis bon, il serait bien que tu prennes un congé pour qu'on en profite pour rester là-bas un bon moment. On va s'amuser, tourner autour de la plage. Mais c'est à toi que je parle. Mais tu disais quoi? Je te parlais de mes parents. Oh. Il faut qu'on aille les voir à table. Oui. Tant que toi et moi nous sommes ensemble. Ouais, c'est vrai. Mon amour. On va quand? Très bientôt. Très bientôt. Ok. Quel est ce projet qui te fatigue? Non, je vais t'en parler. Ne t'inquiète pas. Hé, excuse-moi.
Hey. Oui, allô? Allô? Hey. Il y a plein de raisons. Excuse-moi. Oui? Allô? 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 Bonjour mon chou. Comment tu vas? Je pense à toi très fort. Oui, on se voit ce soir chez moi à 17h30. Tu sais que tu es mon amour. Je t'aime, je t'adore. Oui, je sais que tu m'aimes aussi. Ok, bisous, au revoir. Oh, mais tu m'as fait peur. Tu fais quoi comme ça? Tu fais quoi ici? Hé, hey, attends, tu te calmes. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Ici, là, tu fais quoi? Oh, je te signale que d'abord, je suis chez moi. C'est mon papa. Et c'est la chambre de mon papa. Je suis libre d'entrer comme je veux. Quand je veux. Ouais. Alors? Qu'est-ce que... Plus merde, là, c'est quoi ton problème? Hein? Qu'est-ce que tu fais dans la chambre d'accord, de papa? D'accord, d'accord, d'accord. Monsieur le lieutenant Colombo, ouvrez grand vos oreilles. Hmm? Ce matin, quand papa m'a emmené à l'école, il m'a remis un document me demandant de le déposer dans sa chambre à mon retour à la maison. C'est ce que je fais, c'est tout. Non, je peux être policier alors? Ah mais oui, un très bon sûrement. Ah oui. Je ne serai pas Colombo, mais Kojak. Attends, mon ami. Il y a un problème. Tu vois pas tes cheveux, il va falloir qu'on les change parce que ça colle pas avec le rôle que tu dis. Oui. Bon. Et n'empêche, je suis Kojak. Bon, d'accord, c'est comme tu veux. Mais je te signale, moi je dois sortir. Je vais me changer, puis je sors, on se voit ce soir. Il n'y a pas de problème. Tu dis à papa, hein? Il n'y a pas de problème. Allez, monsieur le lieutenant Kojak. Kojak. Bonjour. Moi, c'est Alfred. Et vous? Moi, c'est Cathy. Pour moi, c'est un très beau nom. Est-ce que je peux vous revoir encore ici? Et celle avec qui vous êtes, c'est Cathy? Je vais la déposer chez elle et puis je suis en vous. Ok, sans problème. On se rejoint à 18h au bar, suite café, vous savez où ça? Oui. Donc, à tout à l'heure. Okay, vous êtes magnifique. Hein? Ok, à tout à l'heure. Mais je t'ai déjà montré la voiture. Non, la voiture que tu m'as montrée là, c'est pas la peine. Ça, c'est une voiture, quoi. Je préfère aller le vélo. Ah, à ce moment, va louer le vélo. Oui. Mais ça là, toi, tu as donné combien? Tu dis que voiture là, c'est quoi? J'ai donné combien? Même si c'est 10 francs, c'est l'argent. Ok? Alors, tu donnes 20 000. 20 000 francs, c'est pas l'argent. On te montre voiture, tu dis c'est quoi? Je dis, je veux pas voiture, quoi. Ah, mon frère, donc, tu feras mieux de rembourser mon argent. Mon cher, quand ça rentre chez moi là, ça ne sonne plus. Ton âme est du temps. Oh, chérie. Excuse-moi. Je crois qu'on va y aller. Je vais te déposer parce que j'ai une réunion tout à l'heure avec des hommes d'affaires iraniens. Je dis bien iraniens. Hein? Mais qui t'a dit que moi j'ai envie de rentrer? Bon, d'accord, c'est pas grave. Laisse-moi du sou. Oh. Il va aller faire les magasins. C'est ça. Voilà, tiens. Et n'oublie pas de prendre un peu de jus pour moi, comme la dernière fois. Il n'y a pas de problème, mon chéri. Mais finis au moins ton plat. Oh, laisse ça. J'ai pas l'appétit aujourd'hui. Oh, d'accord. Bon. On va y aller. Okay. Ah mais là tu me parles mal. Ah bon? Non. Mais c'est toi qui me parles mal. Tu dis même si c'est 5 francs. Est-ce que moi je fabrique? Espèce de voleur. Toi mais tu es voleur. Ça va pas chez toi? Tu t'es attaqué chez toi?
Là, c'est plus qui attaque. Ah bon? Là, c'est plus qui attaque. Toi, tu es voleur. Tout le monde te connaît au quartier ici. Ouais, c'est pas grave. Faut pas arranger ton nom. Hein. Mais toi, tu me connais pas d'abord. Hein. Ah bon? La terre, là, ça tourne. Un jour, on va se croiser. Mon cher, faut dire que tu es malade. Quitte la un homme normal, là, peut pas dire que la terre tourne. Bonjour. Cherche à te soigner. Où vas-tu? Ah, là, faut laisser celui-là, il n'est pas bon. Celui-là, c'est un voleur. Faut laisser mon pauvre petit. Faut quitter là-bas. Bonjour. Ça va, mon voleur? Ça va bien, merci. Ramasse salaud, là. Excuse-moi. Hein. Ouais, faut, ouais. Ça va? Ouais, ouais. Oh, j'avais un vent là, je sais pas où les gens. Non, non, t'inquiète, t'inquiète. Ah. Bon, j'aimerais avoir la meilleure de vos voitures de location. Ah, d'accord. Bon, actuellement. Pour 24 heures. Oui, oui. Pour 24 heures, c'est pas. Il n'y a pas de problème. La meilleure, la... je veux dire. Dernier cri. Dernier cri, ça est là. Dernière génération. Ça est là, oui. C'est climatisé d'origine. Bon, bah, c'est combien? Il n'y a pas de. Quand mes bons petits comme ça viennent me demander service, c'est là, ça me gêne un peu. Non, t'inquiète pas, je suis prêt, il y a folle. Bon, vous donnez 200. 200 000 Sinon, en fait, c'est plus. Mais comme. Voilà, je te ok, dis. Ok. Je te le donne tout de suite, là. Ouais, mais donne. En fait, okay. Il va te faire un papier. Oui, ouais, mais il y a le temps. Ah, mais tu as ça, mon bon petit. C'est la même chose, on dit grumier. On va aller tout de suite. Alors, je vais on te faire un papier. Voilà, bon, on va aller voir. Voilà. Mais dis, il y avait quel problème tout à l'heure avec. Oui, non. Il a mal dormi. Donc, il a dû faire des cauchemars. Ah, ok. Il cherche quelqu'un pour le tuer. Donc, c'est bon, alors, on va y aller. Vas-y, viens t'asseoir, j'y là, j'arrive. Alors, oh, tu vas voir la voiture. Ça, je suis que c'est mon bébé qui arrive. Tu m'as fait me monter. Allô, Mike, ouais, c'est Yann, t'es où là? Bien sûr, là, je viens d'avoir ma caisse, là, je te promets, ça te déchire. Ah, bien sûr. Tu dis que t'es où là? Ok, tu m'attends et je passe te prendre tout de suite. Oh ouais, là, tout de suite, j'arrive, là, j'ai la caisse, donc je fonce direct parce que je crois qu'il est l'heure, elle est même déjà 17h, donc... ouais, bouge pas, je viens. À tout à l'heure. Ok, peace. Ouais. J'ai un problème de 100 000 francs en règle. Ça par rapport à quoi? Par rapport à ma scolarité là. Ça pour la scolarité? Oui. Là c'est un petit problème, de 100 000 tu les auras. Prouve-moi d'abord que tu es mon étalon préféré. Mais si les amis peuvent aller avec eux. Se déplace au salon. Au petit solo, rentre-toi cher. Il a battu le record avec son scénario. Allez, fais ton scénario, fais ton scénario, fais ton scénario, fais pour toi. Fais ton scénario, fais ton scénario, sois. Ma fille. En tout cas, tout ce que tu as fait pour l'église, c'est Dieu qui va te rendre ça au sanctuaire. Que Dieu te bénisse. Qu'il t'ouvre toutes les portes possibles. Amen. Là où tu mets les pieds, que tu aies la bénédiction en abondance. Amen. Je me rappelle d'un passage de la Bible qui me dit, tout homme qui accomplira l'œuvre de Dieu sera élevé. Amen. Et sera parmi les élus. Alléluia.
Ma fille, ta place là, faut pas dormir. C'est à côté de Jésus. J'avoue que j'étais pressé d'être avec toi ce soir. Non, tu es belle, tu es très belle, je dirais. Je sais qu'avec qui tu étais, c'est vrai. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Vous êtes si différente. Toi, tu es raffinée. Tu dégages une vibration. Et tu m'as complètement hypnotisé. Complètement. Comment ça m'a fait l'effet? Ah bon? J'avais comme l'impression que tu avais connu avant. Ah, maintenant c'est fait. Maintenant c'est fait. On est ensemble. Ok. Bon, on boit quoi? Champagne. Du champagne. Allez. Ok. Mademoiselle? On a du champagne là. Ah, petit. Oui. Du champagne. Tu adores le bon champagne? Ah, ok, merci. Ce soir, c'est même pas celui que j'ai chez moi. Hein. Ah bon, tu n'as pas marié? Oh, arrête de me vous voir. Quand tu fais ça, crée une distance. De toute façon, je ne suis plus marié. Ah ouais, bien sûr. Donc, Tu es malade chez moi? Non, pour une première fois, je préfère qu'on ce soit à l'hôtel. Parce que je connais un petit hôtel bien propre quelque part. Ok. Ok. Aïe, et c'est du beau champagne. Alors, déjà qu'elle savait. Bon. Allez. Marie Touré. Au secours, c'est balai. Yannick Kaka. Au secours, c'est balai. Stéphane Doucouré. Au secours, c'est balai. Un, c'est balai. Deux, c'est balai. Trois, c'est balai. Quatre, c'est balai. Allez, valoriser. À 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 valoriser. Serge Toili. Daouda Fraya, Robert Braza, François Cognan, Kader Géré, Ali Kone. Non, ma fille, ce n'est pas à moi que tu dois dire merci. C'est à Jésus-Christ de Nazareth que tu dois dire merci. C'est lui le Dieu des dieux. C'est lui qui lui donne le souffle des filles. Tu vois, ma fille, quand je te parle plus à toi, le problème pour que je n'arrive plus à prier dans ce temps-ci. Après, ah, pardon. Toi, tu viens faire quoi ici encore? Non, mais c'est pas ça. Je passais devant le bar et j'ai aperçu ta belle voiture. Elle dit ça. Ça, c'est la voiture de moi. Ça cause des gens comme vous, comme ça. On ne peut même pas se cacher dans la voiture. Ça va bien? Oh, attendez ça, toi aussi. Je te trouve loin pour venir me retrouver ici. Ça, c'est quoi? Je n'aime pas ça. Bon, je te présente Tati, c'est mon compagnon de tout le monde. Attends, c'est... Oui, c'est ça. Ça, c'est le choix de mon ami, ça. Donc, ça... Mon ami, tu as du goût. Ah, mais il fait chaud. Oui, c'est ça. Tu bois quoi? Ah, mais toi aussi. Pourquoi tu peux me demander ce que je bois? Tu sais très bien que c'est du vin que je bois. Bon, mademoiselle? Mademoiselle? Oui? Ah. Vous cherchez du travail partout, maintenant on vous donne de quoi faire. Ma fille, avec cette histoire d'église, là, il faut acheter la couture, bon, enfin, pardon, il faut faire la couture, il faut acheter des instruments de musique pour la chorale. Bon, mais c'est qui m'énerve dans cette histoire-là, même ma fille? Est-ce que toi-même tu sais où ton papa habite? Non, ce n'est pas de maison. Tu ne sais pas si ton papa dort dans la rue. Je n'ai même pas de maison. Ma fille, tu vois quand je parle, le bout de mon dos en train de te remplir. Allez, collègue. Amour divin, Sandrine Kwame. Adjo le Kwame, père fondateur. Le Bordeaux du Koufa, attaqué. Viens, ma tête, tu passes, ya, ya. Viens, ma tête, tu passes. Allez, que c'est, 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 allez, que c'est
s'abaisse, on se lève. Hey, on s'abaisse, on se lève. Allez, Zulu, 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 le Zulu Nayo, le Zulu Nayo, hey, Zulu, 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 le Zulu Nayo. Bade, 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 Zulu Nayo. Alagala, 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 Zulu Nayo. Village SOS à Bobo, je vous aime. Allez, que l'esprit, c'est pas pour ta ma vie. L'esprit, c'est réclame quelque chose, ma vie. Je dis ça, ça. Disons que l'esprit, c'est réclame quelque chose, présentement. Papa, oui, ma vie. L'esprit, c'est ne peut pas être content. Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha à cause de nos péchés. Bref. Il a pris nos péchés. Bref. Il a pris nos iniquités. Bref. Il a pris nos malédictions. Bref. Il a pris nos échecs. Il a pris les mains sèches. Bref. Il a pris tous nos problèmes. Nous, mais une petite reconnaissance qu'il nous demande, c'est ça qu'on ne peut pas faire. Hein? C'est malheureux. Tu traites toujours. Ne t'en fais pas, mon papa. L'Esprit Saint traite toujours quelque chose. Il insiste même. Oui, l'Esprit Saint insiste. Il insiste. Oui, je traite. Tu sais, je veux. Ibrahim, Ibrahim Kourouma qui travaillait au port. Ibrahim qui habitait dans la rue où on vendait les porcs là. Oh. Ah, les porcs. On a mangé les porcs. Tu te rappelles après le show de porc au vin. Je crois que c'était un dimanche. Oui, c'était un dimanche parce que c'était avant un match à Sec Africa. Et je me rappelle la Sec avait battu la Pika 3-1. Yes! Mais on avait tellement mangé et bu que le lendemain, tout le monde avait eu la diarrhée. J'ai dit, mais je ne peux pas oublier ça. Je ne peux pas oublier ça. Non, mais tu... Non, Brice. Non, excuse-moi, je ne te chasse pas. Hein. On s'abaisse, soit, hein, on décolle, vous. On s'abaisse, soit, hey, on décolle, vous. Hey, on s'abaisse, soit, hey, on décolle, vous. Aïe, aïe, aïe. Jean Bedel Bailly, allez Zulu, j'apprécie TTB Awaga. Allez Zulu, Azulu, 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 Azulu. Allez Zulu, Azulu, 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 Azulu. Kouma, 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 Kouma. Tonton Bouba. Allez bouger nos cailles, bouger nos cailles, bouger nos cailles. Léon Sochou, Joël Kwasi, Chinois Yonke, Paul Adam, Kenzo, Anne Mustapha, entrée suisse. D'accord. Tu vas prendre ces quelques pieds. Oui. C'est pas beaucoup, mais tu vas faire. Oui, papi, ça va, c'est beaucoup. Ça va, c'est beaucoup, hein, papi. Tu sens un soulagement dans ma veste. Oui, tu sens une pure onction qui me soulage à l'instant où je déclare le nom de Jésus. Ah, enfin, le pasteur est venu citer. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Pour me laisser une goutte avec moi. D'abord. Le petit abus m'en fait. Ah bien. Mais là, il y a la petite sœur d'Henri qui se marie ce dimanche-là. Il faut tout faire pour qu'on aille là, parce que toi-même, tu sais. Attends, c'est toi le chef du village, Amen. Non. De toute façon, on en parlera. Oh, on va en parler. Bon, il faut bien tenir mon frère là. Hein. Freddy, bon, donc, la question est gâtée. Oui, on va. Tu fais quoi tout à l'heure? Les gars quand même, les gens barrent. Allez, c'est les gars où est-ce qu'on va partir? Oh Mike, laisse tomber tout ça. Moi, tu m'as rien dit, je veux pas savoir. Ah, mais Jenny, franchement, moi, tu vois. Okay. Mike, excuse-moi, dis-moi, je vais sourire. Laisse tomber, on va ensemble. Ouais, Mike. Bon, ma fille, de toutes les façons, faut même pas t'inquiéter. De toutes les façons, je vais prier jour et nuit pour que Dieu soit à tes côtés. Partout, tu vas mettre tes pieds. Faut même pas t'inquiéter. Voilà.
Voilà, ma fille, tu peux rentrer à la maison maintenant. Parce qu'il y a un certain qui court là. On ne sait jamais. Voilà, il faut pas dire. Tu sais, papa, oui. Moi, je les crains bien. Ah bon? Oui. Parce que quand moi, je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que je sais que Jésus est avec moi. Il a dit dans sa parole qu'il a fait de mes ennemis mes marchepieds. Il a dit dans sa parole que là, il m'a donné la clé de ce monde. Tout ce que j'ai lié sur la terre seront liés dans les cieux. Et ce que j'ai délié sur la terre seront déliés dans les cieux. C'est ce qu'il a dit. Il a dit depuis la création du ciel et de la terre. Il m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Au nom de Jésus. Comment je marche? Oui. Je marche, alléluia. Oui, ma fille. Oui, ma fille. Tu vous sens. Tu te sens, ma fille. Ma papa. Et la paix de Dieu t'accompagne. Et tout ce que tu vas entreprendre durant toute cette semaine, tu es réussi sur ma fille. Va dans la paix de Dieu maintenant. ouais. Le vrai bonheur qui ne profite pas aux autres est comme un trésor qu'on ne dépasse pas. 20 000 francs. C'est-à-dire 2 000 francs pour la dîme et les 18 000 francs, je les mets là, dans ma poche. Ah oui. Bon. Ton ami n'est pas comme un perroquet. Il faut laisser ça. Bon, ça ils sont. Ouais, donc. Oh, mais non, chaussée. Oh, ouais, la chaussée, c'est ça. Donc, on fait comme mouvement. On s'en va, non? On va aller visiter le petit coin. Ah non, c'est propre, hein. Ok, tu t'aimes pas ton verre? Ça va? Ah, Cathy, Cathy! Je viens de voir. Ah, Cathy! Non, ce que tu vas faire. Tu vas me donner le plus beau de tes bisous, le plus beau que j'ai à la vie. Viens, ton vieux. Yann! Hé, mon vieux, voilà ton fils. Hey, rude boy, t'as un peu l'oreille, vois ce qui se passe, hein? Trop de choses tournent plus rond, et collectif Horizon vient pour changer les choses, hein, Sasko? Vois un peu le rythme, Pac, Map, Expergy, Dandy, hey, la rude boy, donnez-leur yeah, le bon, yeah, le bon vibe, yeah. I've seen a lot of bad things with my eyes, I can't imagine, a lot of babies dead in my flex, I can't imagine, my dad's gone, your map's gone, your shit's gone, fuck a-